Bonjour, c'est Marc Doucet. Je vous présente l'info du jour depuis notre bureau Eat Globe à Varna. Les repas en kit ont déjà trouvé un marché aux États-Unis et ils arrivent maintenant en Europe. Ces kits contiennent des ingrédients frais, pré-dosés, des recettes et des instructions. Le service fonctionne par abonnement et les clients choisissent sur le site internet les recettes qu'ils veulent se faire livrer. 10 entreprises se partagent le marché aux États-Unis alors qu'il n'y en a que deux en Europe, HelloFresh et Marley Spoon. HelloFresh existe depuis 2012, elle livre 7,2 millions de repas par mois et propose plus de 5 500 recettes. L'entreprise propose à ses abonnés de choisir une recette créée spécialement par le chef Jamie Oliver. L'autre entreprise, Marley Spoon, a également adopté cette approche en s'associant à la chef Martha Stewart. Les deux sociétés profitent de l'engouement pour les chefs célèbres, mais elles sont également conscientes du désir du consommateur qui veut manger sain et savoir d'où provient sa nourriture. Elles mettent en avant leurs efforts en matière de développement durable et l'utilisation de matériaux biodégradables et recyclables. Mais les prix proposés pourraient empêcher ces entreprises de s'étendre davantage en Europe. La société Retail Intelligence Lab a récemment essayé d'évaluer le prix que les consommateurs étaient prêts à payer. Les tests effectués aux Pays-Bas montrent que les clients potentiels sont prêts à payer environ 23 euros pour des colis contenant 3 repas pour 2 personnes, ce qui est beaucoup moins que le prix actuel situé entre 35 et 40 euros. Comme aux États-Unis, les personnes les plus intéressées par les repas sont des personnes qui ont des revenus plus élevés, un niveau d'études élevé et qui s'intéresse aux aliments biologiques, principalement les femmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site eatglobe.fr. À bientôt.